Classe égale à HRL, Brigitte Bardot a poussé un gros coup de gueule sur Twitter, jeudi 29 juillet. L'ancienne actrice, qui donne de son temps et de sa personne pour la cause animale, a été victime d'une blague douteuse de la part de Robert Ménard, maire de la ville de Béziers. Située dans l'Hérault et en effet, afin de promouvoir la tauromachie dans sa ville. Le politicien a eu l'idée de se servir de l'image de celle que l'on surnomme B. B et de son histoire d'amour présumée avec un toréador. Sur l'affiche, on peut ainsi lire, à côté d'un montage photo mettant en scène les deux personnages, Brigitte Bardot. Luis Miguel Dominguin, ils se sont tant aimés. Avec les matadors, Brigitte n'a pas toujours dit non. Cette campagne d'affichage est également une réponse à celle déployée par la Fondation Brigitte Bardot, qui tente de faire interdire cette pratique, qui persiste malgré tout, dans les régions occitanes. Les panneaux exposés dans la ville par l'association indiquaient « Spectacle garanti avec souffrance animale. Stop à la corrida ». Sur Twitter, Robert Ménard a partagé l'affiche photoshopée sur son compte, en légendant. Comme nous le rapporte le HuffPost, notre réponse à la campagne anti-corrida de la Fondation Bardot. Brigitte, on t'aime quand même, tu le sais. Les propos de cette petite vendetta n'ont pas été du goût de tous, le maire a donc effacé son message et retiré toutes les affiches dans sa ville. Mais le mal était fait et il n'en fallait pas plus pour que la muse de Serge Gainsbourg ne perde ses moyens face à ses provocations. Sur le même réseau social, l'octogénaire a écrit, sans mâcher ses mots, « Si j'avais eu une aventure avec un toréador, j'aurais rapporté les oreilles et la queue ». Selon les informations de Midi Libre, la militante aurait porté plainte contre Robert Ménard.